Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, Lionel Messi devient complètement fou. Vous n'avez pas vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux? Donc Lionel Messi, il frappe les joueurs aux États-Unis. Et après, quand les joueurs des États-Unis commencent à vouloir se venger, il va voir l'arbitre. Il lui dit, hey, sors le carton jaune, sinon toi tu vas te faire virer. Vous n'avez pas vu ces images? Donc Lionel Messi a dépassé le statut de joueur. Il est devenu joueur, arbitre, entraîneur, propriétaire, poissonnier, cuisinier. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, Lionel Messi, il a le droit de tout faire aux États-Unis et personne ne va rien lui dire. Après, en même temps, aux États-Unis, on a le droit à tout là-bas. Il est à Miami et il a même le droit d'être armé dans la rue. Donc maintenant, quand vous voyez Lionel Messi, va falloir faire attention parce qu'il peut vous tirer dessus. Et je parle pas de ballon. Et je parle pas de coup franc, ni de penalty. Je te parle d'une balle dans la tête. Vous vous rendez compte? Donc là maintenant, Lionel Messi va arriver sur le terrain avec des AK-47, des FAMAS. Et puis celui qui ose toucher le ballon, il va lui tirer dessus. Vous n'avez pas vu les images? Hein? Est-ce que ça, c'est digne d'un champion? C'est digne d'un champion? C'est un voleur. Un petit voleur qui n'arrête pas de se cacher. Voilà, on a vu son vrai visage. Vous savez de toute façon. Quelle est ma haine que j'ai envers Messi depuis qu'il est venu en cheval de Troie au Paris Saint-Germain? Déjà pour se reposer, pour préparer sa Coupe du Monde, pour priver une Coupe du Monde de Mbappé, et puis ensuite de faire partir Mbappé du Paris Saint-Germain. On est où là? Donc, Lionel Messi, il va falloir qu'il y ait la Ligue des États-Unis qui commence à trouver des choses qu'ils ont dans leur caleçon et qui prennent des décisions drastiques. Lionel Messi n'a plus rien à faire sur un terrain de foot. Vous allez me dire, tu dis n'importe quoi, faut dire, moi je me désabonne. T'as qu'à te désabonner. Tu penses que Messi c'est qui? Hein? C'est qui? À part jouer au ballon, il fait quoi? Hein? Est-ce qu'il t'a déjà dit, ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi? Hein? Il t'a déjà dit ça? Voilà, tout ce qu'il fait, c'est marquer. Voilà. Et puis si tu touches le ballon, maintenant, il te met des coups de pied. Il te met des balayettes. Ça y est, depuis qu'il est aux États-Unis, qu'il a vu les Eminem, qu'il a vu les LeBron James, c'est terminé. Plus personne n'a le droit de lui prendre le ballon. Vous n'avez pas vu? Lorsque quelqu'un vient et lui prend le ballon, il le tape. Lionel Messi. Voilà, ton idole est devenu un joueur violent. Un joueur UFC footballeur. C'est du grand n'importe quoi. Dans tous les cas, j'espère que vous allez pas commencer à m'insulter pour défendre Messi, hein, voilà, celui qui vous a jamais parlé, jamais fait une esquisse de sourire, rien du tout. Tout ce qu'il vous fait, c'est ouais, ouais, j'ai la rage. Regarde le Paris Saint-Germain, c'est n'importe quoi. On ne sait pas quel va être l'avenir.